Coucou les girls! Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Et oui, j'étais pas là la semaine dernière parce que je suis désolée, j'ai vraiment pas eu le temps de filmer et j'avais pas envie de vous faire un truc à la va-vite comme ça, donc voilà, j'ai préféré vous publier un article. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, bah, je mettrai le lien en barre d'infos. C'est sur les dernières photos que j'ai faites à la plage, je pourrais vous en mettre un petit peu quelques-unes ici. Et si vous voulez en voir plus, et bah, cliquez sur le lien en barre d'infos. Et voilà, donc aujourd'hui je vous retrouve avec un make-up qui m'a été pas mal demandé. En fait c'est le make-up que je fais tous les jours quand je suis assez pressée, quand j'ai envie d'un teint glowy, fresh, mais à la fois naturel. On voit entre guillemets, voilà, je suis maquillée, je suis mise en valeur, mais je suis pas non plus comme une grosse beurette ou genre j'ai pas un make-up de ouf des yeux. Donc voilà, c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours en 5 minutes chrono. Et ben voilà, j'ai eu envie de... enfin 5 minutes chrono, façon de parler. Mais voilà, par exemple hier je me suis réveillée complètement à la bourre, je devais partir mais je devais quand même look good quoi. Et j'ai réussi à faire ce make-up en vraiment en peu de temps. Donc ben, pour le coup c'est parti. Donc quand je suis comme ça dès le matin, pressée, pas réveillée, j'aime bien vite fait rafraîchir ma peau avec la brume pour le visage Coconut Milky Mist de Too Cool For School. Je vous en ai déjà parlé, cette brume, elle est vraiment trop bien et je l'utilise depuis le mois de juin quasiment tous les jours et elle en est à la, donc même si elle paraît un peu chère, pour le coup elle est super worth it. Ensuite je viens mettre ma crème de jour, donc là j'ai repris le soin hydratant matifiant. Tata Delphine, si tu passes par là, merci pour cette crème. Si vous me connaissez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit bout de temps, vous savez que j'adore ce soin, mais il coûte un petit peu cher quand même. Donc c'est pas tout le temps que je l'ai en main, mais là je viens d'entamer ce tube et voilà quoi. C'est vraiment une super crème pour les peaux grasses, surtout en habitant en Martinique avec toute cette chaleur. Ça pénètre super bien, ça hydrate bien, franchement voilà. Donc si je me regarde ici c'est parce qu'il y a le miroir, hein. Donc voilà. Ensuite, je commence tout de suite, première étape, par les sourcils. Comme d'habitude, je prends le Brewies de chez Anastasia Beverly Hills. Il n'y a pas de secret, j'ai envie de dire. Je viens brosser mes sourcils. Franchement, la petite brosse qui est le petit goupillon qui est donné avec, il est vraiment trop, trop, trop bien, les gars. Vraiment, il est cool. J'essaie de vous rapprocher un petit peu. Donc, je viens faire mes sourcils très rapidement. Je vous ai déjà expliqué, moi le but de faire mes sourcils c'est pas d'avoir un sourcil parfait à l'américaine, là en mode voilà. C'est juste tout simplement de me créer un peu des sourcils parce que comme vous pouvez le voir mes sourcils sont très très fins. Si ce n'est pour dire inexistants. Donc voilà, c'est histoire de les marquer un petit peu plus, de les colorer quoi. En fait limite je me ferais une teinture de sourcils, ce serait parfait parce que... En fait c'est vraiment ça quoi, j'en ai... ils sont pas assez colorés et bon c'est vrai que j'en ai pas non plus beaucoup. Donc voilà, vraiment histoire de les mettre en présence. Je donne 2-3 petits coups de crayon comme ça, je brosse, voilà. Ensuite, deuxième étape et la vraiment la plus importante, c'est l'anti-cerne. Donc moi vous me connaissez, toujours mon anti-cerne haute couvrance de chez Sephora, c'est vraiment mon chouchou, je l'adore, c'est la parfaite couleur pour ma peau, enfin vraiment je kiffe. J'en mets un petit peu sur ce style et là, et quand j'ai des imperfections, bah, j'en mets là pour le coup, ça va à peu près. Voilà, j'espère que la lumière ça va. Donc ensuite je viens prendre mon pinceau de chez MAC que j'utilise tout le temps. C'est le... bah, il y a peu de références, ça s'est effacé de son je sais pas quoi. Mais voilà, histoire de... d'étaler entre guillemets mon anti-cerne. L'anti-cerne c'est quelque chose, je vais pas entre guillemets hésiter à laisser poser parce que ça permet tout de suite d'avoir, je trouve, une meilleure pigmentation, une meilleure couvrance. Donc voilà, je mets un peu le reste sur ma paupière, je vais repasser comme ça, hop, petit bouton, hop, voilà. Donc tout de suite, je trouve que ça me rend beaucoup plus éveillée. Une fois que j'ai étalé entre guillemets avec ce pinceau-là, je viens prendre mon Beauty Blender, bon il est un petit peu sale, excusez-moi, et je viens tapoter
excédent. Du coup, je pense que je vais faire quasiment sans miroir parce que voilà. Hop. Voilà. Le Beauty Blender, c'est vraiment la vie. Ça permet d'estomper tout en gardant la couvrance et de manière super naturelle. Donc voilà. Déjà, une fois que j'ai mon anti-cerne, les gars, j'ai envie de dire, c'est bon, j'ai l'air trois fois plus réveillée, c'est parti. Ensuite, je viens prendre mon gros pinceau poudre avec ma poudre matifiante de chez Sephora. Voilà, je viens en appliquer partout, particulièrement donc sur mon anti-cerne, histoire de le fixer, mais vraiment partout. Ça va vraiment... ça va vraiment flouter, voilà, flouter la peau, donc voilà, hop. Et oui, hein, depuis tout à l'heure, je sais pas si vous avez remarqué, je suis en haut de pyjama, mais vraiment, j'avais très la flemme, je vais pas vous mentir, et j'avais quand même envie de vous filmer la vidéo, donc voilà. Ensuite, je vais faire un truc vite fait que je faisais plus, mais que je refais depuis quelques temps. Je viens fixer mes sourcils avec le Gimme Brow de chez Benefit, voilà, histoire qu'ils tiennent vraiment en place toute la journée et qu'il soit pas entre guillemets fouillis. Ça vient rapporter vite fait un peu plus de couvrance, mais voilà. Ensuite, je viens prendre ma Medium Deep Mineralize Skin Finish de chez MAC, qu'avant je mettais sur mon visage, mais en fait que je trouve maintenant qu'elle a vraiment sous ton trop rouge. Je sais pas pourquoi je mettais ça sur mon visage, mais bon. Et je viens l'appliquer en creux de paupières. Voilà, c'est vraiment le make-up que je fais tous les jours depuis maintenant un mois, deux mois je dirais. Et voilà, je trouve que c'est rapide, c'est efficace et ça donne tout de suite un petit peu plus de quelque chose. Vous voyez, ça vient venir creuser votre paupière et ça apporte tout de suite un petit truc en plus. Et ça prend 4 secondes quoi, c'est pas j'ai envie de dire le make-up de fou malade. Quand j'ai un peu de temps, je vais mettre un coin interne beaucoup plus éveillé, etc. Mais là, je vous fais vraiment le make-up que je fais tous les jours. Voilà. Ensuite, je viens mettre du mascara. Je suis obligée de regarder un petit peu quand même le miroir. Hein, parce que... Donc là, en l'occurrence, en ce moment, c'est le volume de chez Chanel. Petit échantillon de ce mascara. Je l'utilisais il y a très longtemps, genre 2-3 ans. Je le kiffais. J'avais oublié à quel point il était pas mal. Mais il ne détrône pas le Very Real de chez Benefit, que dès que j'arrive en France, je me rachèterai parce que vraiment, il est trop bien. Donc voilà. Mascara done. Ensuite, pareil, petite nouveauté que je ne faisais plus trop en ce moment, c'est mettre du blush. Et en ce moment, je suis trop fan de celui-là. C'est le Compact Blush de chez It Style Cosmetics, dont je vous ai parlé dans ma vidéo, dans ma dernière vidéo. Donc, je vous mettrai le lien par ici. Voilà, je l'adore ce blush. C'est vraiment la bonne couleur. Il est mat. Voilà, vous allez voir que je me fais un teint complètement mat. Et après, il y a juste la lighter qui brille. Ce que j'ai sur les yeux, du coup, c'est super mat. Voilà. J'aime bien parce que du coup ça fait quand même quelque chose de très naturel à porter au quotidien. Mais voilà, bon là j'ai vite fait abuser du blush, mais vous allez voir. J'applique avec ce petit pinceau Tokidoki qui est super bien. Franchement déjà il est trop mignon le pinceau et il est juste trop trop bien. Vous voyez, ça estompe vachement bien. Hop. Ensuite je viens reprendre mon pinceau poudre, j'estompe. Voilà, là vous voyez que, entre guillemets, je trouve le blush est pas supra-choc. Ça fait pas genre deux boules roses, ça fait tout de suite un teint beaucoup plus réveillé, beaucoup plus pêchu. Voilà. Ensuite, je mets de l'highlight et, entre guillemets, on est bon. Donc avec mon petit pinceau Morphe, je viens prendre la palette BK X Chrissy. Et en ce moment, oulala, il commence à pleuvoir. Vous allez entendre le bruit de la pluie, les gars. C'était pas prévu, mais bon, tant pis. Je viens prendre donc cet highlighter de la palette Chrissy Teigen. Ah, je suis désolée pour le bruit de pluie, les gars. Le déluge. Bon, si vous habitez en Martinique, vous
Vous savez de toute façon, hein, d'un seul coup il se met à pleuvoir, ça sort de nulle part. Franchement, les alligators VK, c'est tellement la vie, les gars. Franchement, si vous avez les sous pour vous l'offrir, si vous avez de quoi demander pour votre anniversaire, pour votre prochain Noël, je ne sais quoi, mais franchement, testez les alligators VK. Ils sont tellement fins, tellement pigmentés, tellement géniaux, franchement. Voilà, et j'en mets un petit peu là. Et là, c'est vraiment mon teint de tous les jours, les gars. Super simple, quick, efficace. Franchement, voilà, je trouve que ça fait un teint frais, lumineux, sympathique. Et je termine avec les lèvres. Franchement, quand j'ai ce produit-là, je mets plus de rouge à lèvres, je mets plus rien. Et voilà, là, c'est le Lip Sugar Scrub de chez Dior. Je vous en ai déjà parlé, moi, je suis une grande fan du Lip Glow. Et celui-là, je le kiffe aussi, franchement. Cette idée de faire un exfoliant pour lèvres à la fois hydratant, c'est juste génial. Donc, j'en ai un petit peu. Et franchement, je suis trop fan. Pareil, ça vous donne des petites lèvres pêchues. C'est confortable, c'est hydratant, c'est vraiment tout ce qu'il faut. C'est voilà. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont sorti pas mal de teintes dans les Dior Lip Glow, dont une teinte un petit peu baby. Ça, si je mets la main dessus, c'est sûr que je me l'achète. Donc voilà. Donc là, je vais vous montrer un petit peu plus en détail le make-up. Donc voilà, make-up lumineux, frais. Je pense que vous avez vu le avant-après. Franchement, ça n'a rien à voir. Là, j'ai quand même l'air un peu plus éveillée, un peu plus fraîche, un peu plus voilà. Et pourtant, j'y ai pas passé 4000 plombes parce qu'on n'a pas 4000 plombes le matin pour se maquiller. On est toutes d'accord. Donc, voilà, voilà. Sur ce, ben, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.